Bonsoir à tous et bienvenue dans le Nuclear Game Unity Fox in Minecraft. Et je suis avec Pitatou. Comment ça va, Alex? Très très bien, et toi? Ça va. Et donc, ben, comme vous pouvez voir derrière, nous avons préparé pour le portail du Nether. Mais oui. Je repasse en vue normale. Oh. Et oui, donc on est dans le mineshaft et on a décidé du coup de mettre le portail là, comme ça le bruit ne saoulera pas et on l'aménage un peu. Ouais. Oh, je ne suis plus AFK. C'est incroyable. Allez, j'ouvre les hostilités, Alex. Vas-y, je t'en prie. Donc aujourd'hui, session Nether. Objectif, trouver une forteresse et ramener un peu aussi d'objets, enfin du quartz, des trucs comme ça. Donc encore un épisode d'exploration. Prochain épisode, c'est un épisode assez spécial. Ça sera pas du Minecraft Unity Fox. Ce sera du Minecraft émission. Ah, nouveauté. Eh oui. Oh. Ah mais si on... Hein? Attends. Mais oui. Ah mais non, parce que tu te souviens la première session qu'on avait fait? Ça y est, je me souviens. Bon, oui, alors... Nos pauvres plantes. Ouais, c'est vrai. Parce, alors voilà, alors pour vous expliquer le pourquoi du comment, à la base, on avait fait sur une map existante, et on avait déjà le portail du Nether. Et en fait, du coup, je sais pas si c'est la même map qu'on utilise. Non, je crois pas. Et en fait, du coup, eh ben, dans le Nether, on avait mis les arbres pour voir si ça poussait. Bon, on va faire un petit test de retour, du coup. Donc, on n'a pas pu trop visiter. Je suis en train. Mais là, moi, je suis en train de serrer, en train de me dire où c'est que je vais réapparaître. Oh, putain. Oh, putain. On réapparaît pas au bon endroit. Et le fail de la semaine est... On se trouve là, Alex. Non, mais c'est pas grave. Ça nous fera un peu plus de... Un peu plus de suspense pour retrouver la maison. Le spawn, ouais, il est peut-être pas bien en 0-0. Oui, on avait recréé une map. Je comprends pas pourquoi le Nether, il s'est pas remis comme il faut. Coordonnées, punaise, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Ouais, je pense qu'on n'est pas très très loin non plus. 72-109, non, ça va, on n'est pas extrêmement loin. Voilà, parce qu'à la base, on avait donc utilisé cette map... Bah, c'était une map où le but était de vivre sous terre, peut-être vous la connaissez, c'est Underground. Et finalement, on s'est dit non, on prend une map normale, comme ça on peut remonter sur terre, ça fait un peu plus de défis, et voilà. Bon, bah c'est cool, t'es parti par où, toi? Attends, je suis derrière toi. Je veux aller voir où est-ce qu'on est. Bah alors du coup, est-ce qu'il y a une caverne ici, quoi? C'est ça le truc. Oh. Ah là, je suis un peu deg pour ça. Ah oui, 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 bah oui. Bah, logiquement, hein. Il est tombé sur une rivière, là. Ouais. Sous terre. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, ben, on n'avait pas tout bien creusé, hein, on va voir. Espérons qu'on tombe pas sur de la lave. Oui. Ou alors, attends, on est sur quelle couche? Ouais. Bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à la limite, on peut essayer d'aller... Ouais, on va visiter un peu, je pense. Je suis en train de le faire, je crois. Bon, moi, je pars de mon côté. J'ai lancé le chrono ou pas? Non. Voilà. Trop lololo. On mettra un peu de musique en cas, là. Si on creuse longtemps. Ça fera plaisir. C'était quelques recommandations... Oui, donc je disais par rapport au prochain épisode, ce sera donc nouveau. Ce sera donc plus une émission où en fait on accueille des gens sur le serveur, carrément comme ça. Le lieu pour l'instant, ben, je vous laisserai le découvrir la prochaine fois. Je l'ai fait en créatif, vite fait. Tita vient de me faire péter un creeper dessus avant le tournage, donc faut que je répare ça. J'étais là, mais la petite, t'as vu, c'est trop bien, ben, on s'est fait dépouiller. Mais bon. Et du coup, en fait, c'est sur la terre parce que c'est fait en créatif. Et on va refaire ça donc dans la. En bas. Oui, c'est juste un petit test. Voilà. Bon, moi je prends l'épée. La splendeur. Ah, nickel. Je te la laisse la briser. Attends, je vais creuser à côté pour te regarder faire. Quand même.
Oh, j'ai la souris qui merde un peu. Je sens le fail. Je sais pas pourquoi, mais... Et là, il y a de la lave. Une brique, encore une brique, encore une brique. Alors là... D'accord. Bon. Ok. Ça y est, on y est. Les briques. On y est, on y est. Oula, t'es un peu sur moi. Ok. Tout va bien. Bon, faut faire gaffe au Wither squelette. Bon, là, c'est un trou. C'est bouché. Ah, c'est bon ça. Par contre, j'ai plus de pioche. J'ai plus rien. Génial. Oh, trop bon. Ah, t'as géré là. Et oui. Bon, il faut aller se taper des méchants. Là-bas, il y a un Blaze. Putain, j'ai un jeu lag. Oh putain, il y en a un là. Allô, salut. T'es parti par où, Alex? Oh non, non, il va venir, je lag. Oh, j'ai pas d'arc. Je suis parti, tu me vois pas? Je suis avec un Wither squelette qui est très méchant. Il me regarde pour me taper. Ah oui, je le vois. Bon, je mets les Ah là là, attends, je lag. C'est horrible. Je le démonte ou pas? Attends, 2 secondes. Qu'est-ce que c'est, ça, là? Hop. Ok. Ouais, on va baisser un peu. Voilà. Ça va faire du bien. Mais il n'y a rien. Oh, ah. C'est mieux. Ouh, c'est en haut, il y a plein de blaze. De l'autre côté, là. Je vais faire le fou. Fais gaffe, hein, s'il te tape, il fait très mal. Oui, mais il va pas me choper. T'as rien d'important sur toi? Ça se peut. Quoique, ouais, tu le gardes... Non, là, tu le fais avancer vers nous. Recule et tape-le de là. Voilà. La technique du... du grand culé. Et là, il te donne une tête et elle tombe, bègue. Bon, moi, je vais essayer de trouver un petit coffre. Oh là là. Oh my god. Ok, il n'y a rien. T'as déjà visité. Allez. Un blade. Oh là là. Oh la honte. T'avais quoi sur toi? J'avais mon honneur. Ouais, mais ils sont 12 000! Oh le fou! Eh oui! Ah, tu l'as tué quand même! Je l'ai tué? Ouais. Trop fort. Bon, 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 bon. Skill, skill. Ça y est, j'ai récup. Récup. Par contre, je me fais bombarder la Blaze. Ah, c'est Blaze classe. Road. Alex. Je sais que ça se fait pas, mais vu qu'on est très très loin, tu veux que est-ce que tu peux me TP? Écoute, note les coordonnées du portail actuel, s'il te plaît. Oui, mais je sais pas où est-ce qu'il se trouve. Mais si, ben nous on est où par rapport au spawn, là, le spawn actuel? Le spawn? Ouais, parce que je sais pas si... Je sais plus comment j'ai défini, si j'ai défini en spawn ou autre chose. Oh, je vais pas réussir à partir là. Je tente de le faire. Putain, faudrait pas que je me faille. Oh
suis en train de dire, mais non, mais pour le spawn, c'est comme ça. Ouf. Le feu, ça brûle. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Oh merde, il s'avance. Putain. Mec, on se casse. J'ai réussi à partir. T'as noté les coordonnées, c'est bon? Attends, je suis en train de voir un truc. Je sais même plus par où on se casse. J'y suis presque. C'était pas par là, merde. Oh le con. T'as mis des torches jusqu'où? Ah bah si, t'en as mis là, c'est bon, c'est combien de là? Yeah. Non, là je fais demi-tour. Tac, tac. Putain, heureusement que t'as mis des torches, hein. Eh oui. Ah, ben voilà. Attends. Je vais changer le spawn de... De quoi? Spawn. Non mais le spawn c'est bon, il est normalement il est défini. Hein. Ah, je crois que tu m'avais dit non. Non, j'ai un doute, mais normalement il est fait. Ne fais pas au cas où. Ah bon. Bon, tu notes? Ouais. Là où je suis, hein, je suis dans la maison. Ouais. 223 pour X. Ouais. 217 pour Z. Et si tu veux le Y, c'est 31. Alors 223, le Z, tu m'as dit? Non, 217. X 217? Ouais. Non, X 223. Ok, ensuite 217. Pour Z. Et la couche? 31. Ok, bon, t'as de la chance, je suis brave. Tout ça pour le bien de l'épisode. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui. Ça me fait laguer, du coup. Tiens, si tu veux un fer. Pour refaire? Bon, tant pis. Pour faire, c'est tout. Pour faire. Un fer pour faire. Oh là là, je lag. Attends 2 secondes parce que là ça devient horrible. Bordel. Tu as vu ce qui se ramène là-bas? Non. Regarde le monde qu'il y a là. Regarde à droite. Oh putain. Oh là là, mais what the fuck? Il y avait bien. Choper le place qui est en haut là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a par là? Avec des escaliers. Je sais pas où ça mène. On va voir. Ah, c'est horrible comme je lag. Encore des escaliers? Oh merde, vos escaliers. Oh, salope. Oh merde. Ok. Faudrait en exploiter une. T'as pas d'arc? Non. Est-ce que t'as des blocs, Alex? Ouais. Quoi? Tu en veux? Putain, ouais, moi j'ose pas comme je lag là. L'idéal c'est. Oh merde! Petit arbre! Ah, ça l'a pris! Oui! T'en as eu une ou pas? Non. Oh le con. Ah, j'ai pas de bouffe.
J'aurais dû prendre un saut. Ouais, si tu te mets contre les blocs, ils te touchent pas. Ferme au-dessus et après on roule. Ah, mais attends. Non! Je te râle. Attends, non, attends. Je peux pas tout. Oh merde, je suis plein. Je sais que je triche, mais bon, ça évite l'aller-retour de fou. Oups! Il est là. Il est là, il est là. Aïe. Je vais mourir. Épais-moi avant. Ouais, mais là, c'est de la triche, Tita. Dernière fois que tu te débrouilles. Ouais, mais pour retrouver le truc, là. Mais oui, si, easy. J'aurais dû me faire... Yatta. Gaffe, il risque d'arriver. Ils arrivent. Attends. Oui. Par contre, les blocs, je sais pas où ils sont. C'est moi qui les ai, j'arrive. Allez, j'en ai chopé un. What the fuck? Ils arrivent. Ça vient venu, mais on va s'entretuer là. C'est bon, t'en as eu un? Non. Allez, descends. Vas-y, j'y vais. Bon, c'est bon, je suis presque mort. Oui! T'en as eu un. Parce que... Oui, attends. Bâton de blague, j'en ai chopé deux. Oh, nickel. Bon, écoute, on retourne, tant pis. On fait le retour. Attends, je veux la fièvre de l'or. T'es prêt? Moi aussi, j'en ai deux. Ouais, nickel. Après, normalement, je crois qu'on peut faire des potions de résistance au feu. Bon, je commence à me taper le retour. Fais comme tu veux. Moi, j'essaye. On va pouvoir faire la salle de moite-moi après. Ah, oui, putain, il y en a là. Oui, j'en ai plein, j'en ai 4. Wait me, please. Ah oui, non, là, meurs pas, je brûle. Fuck. Je sais plus, c'est par où, c'est par là au moins. C'est par là. J'ai mis les torches en fonction. Oui, mais là, après, on repasse. Non, tu vois, c'est pas là, justement. Si, si. Suis-moi. Non, j'ai fait de la merde, alors. Non, parce que là, c'est le premier endroit où on est allé. Faut aller dans les blazes. Oui, je vais mourir. Je vais mourir. Protège-toi. Si attends, je passe, on est bon. Ouf, je suis mort. Merde. Bon. Ah, je vais crever aussi. Je vais crever. Ah non, je fais pas ça. Si, je vais crever. Bon. Non, je suis pas mort. Récupère le matos et enfuis-toi, j'arrive. Il me suit, le con. J'arrive. Sans tricher. Je sens, mais la mort conne. Ah, peut-être, du coup, il faut que je prenne les coordonnées du portail. Mais oui, mais comment je fais, moi, pour revenir, là, du coup? T'inquiète. Tu te caches, tu reviens vers le portail qu'on a là. Et je suis vers, j'y arrive là. Donc là, c'est spawn. Putain, j'écris en même temps. Bon, ça nous fait 6 bâtons. Hein. Parfait. Punaise, là, on est bon. Donc, portail. Bon, je mets ton armure, tu m'en voudras pas. Hein. Non, vas-y. Et je bouffe un peu parce que là. Moi, je prends rien, j'y viens nu, tant pis. Putain, j'ai le chat qui fait que miauler. T'es sûr que c'est pas le... C'est pas le... Le truc blanc, là? Le truc blanc. Ah, j'ai compris. J'ai oublié son nom, là. Le truc qui envoie les boules de feu. Ah, le Blaze. Le Blaze. Non, pas le Blaze. Non. Ah, ben, t'as réussi à revenir. Ta-da. J'ai oublié de noter les coordonnées de l'autre. Merde. Coucou. C'est pas grave.
Allez, t'es prêt? Tu as mon épée, t'as tout ce qu'il y a à moi? Oui. T'es vas-y, envoie. Hop là. Surtout l'épée, déjà... quoi. Attends, je mets déjà une torche pour qu'on y ait... pour voir un peu. Voilà. Alors, l'épée. Ouf. La pioche. Ouf. Le casque en fer. Ouf. Attends, c'est celui-là. Ouais, non. Le plastron. Ouais, il est minimum, le run tout. Tchac, 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 tchac. Tchac, 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 tchac. Batarata. Pam, pam. Pioche en diams. Ouf. Ou en pierre. Mais alors là, les pioches, c'est les tiennes. Hein. Je crois que j'allais. Ah, ouais. Ça va être génial. Terre, reprends-en au moins une. Je te pique l'autre. Vas-y, garde le reste. On va essayer de retourner à la zonzon, du coup. T'as des torches, du coup? Ouais, on est 49. Allez, punaise. Ouh, j'ai fait retourner dans le... Bon, mais écoute, on avance un peu pour voir, non? Ouais, mais attends, il faut avancer dans le bon sens. 213, 217. On a pas la bonne couche. Attends. Tu m'as donné dans quel ordre? X, Z, Y ou X, Y, Z tu m'as donné, toi? X, Z, Y. Ah bon? Pourquoi? On s'en foutait de... Ouais, quoi, pour la couche. 31, ouais. En tout cas, c'est pas par là. J'ai envie d'explorer. Si tu veux, tant qu'à faire. On finira l'épisode là-dessus en espérant qu'on trouve au moins la fin. Y'a rien. Ça évite que ça spawn au moins, tu me diras. Relis-moi les chiffres. 213, 217. 223, pardon, 217. Ouais, c'est... Bah écoute, soit il y a un chemin, je me souviens... Ah ben non. Ben non, là, je peux pour te dire s'il y a un chemin qui mène directement là-bas. Punaise. On est loin, par contre, en Z. Ouais. Tu fais quoi? Combien, Y? 31. Là, t'es où, toi? Là. Tu vois le barrage que j'ai fait pour l'eau? Ouais, je te vois, c'est bon. Ah d'accord, carrément, le mec. Ah mais oui, à la MacGyver, hein. Mais je pense que tu peux passer ça en rapide, Alex. Oui, on va le mettre en rapide, je pense. J'ai trouvé un jeu, bon, il date de un an, de un an, c'est Dunster. Je sais pas si tu connais, Alex. Ben, de nom, oui, j'ai vu 2-3 vidéos dessus. Enfin, 2-3 vidéos, ouais, juste de présentation, je me demandais ce que c'était. Mais moi, j'ai craqué. Vas-y, nous en plus. J'ai craqué. Déjà, pour commencer, les graphismes, c'est si vous adorez Tim Burton, mais là, vous êtes ravis. C'est vraiment dessin animé, on dirait, mais dessiné à la main. Histoire du jeu, mais il n'y a pas tellement d'histoire. Dans le jeu, c'est juste de survivre, de ne pas se faire tuer par les monstres environnants. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de monstres. Tu peux jouer à plusieurs dessus ou pas? Non, c'est ça le problème. Et à la limite, un nuclear game, on pourrait le faire à deux quand même, tu penses? Pas du tout. Mais on peut faire on peut faire un petit, comment dire... Concours, celui qui tient le plus longtemps. C'est ça. Moi, actuellement, là, je crois que je suis au jour 6 ou 7. Et déjà, j'entends des monstres arriver près de mon camp. Donc c'est un jeu à faire de nuit déjà, à la Slender. Ah, c'est ça. Non, comment dire, le gameplay, mais c'est un peu, si vous adorez Minecraft, mais celui-là, vous pouvez que l'aimer parce que c'est vraiment, il y a du craft, il y a tout, quoi. Et ouais, donc Dunster, puis... Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Ah oui, il y a un cycle jour-nuit comme dans Minecraft. Ouais.
Ouais. Et t'as trois indicateurs, t'as l'indicateur de bouffe, de santé, ce qui est normal. Ouais. Et l'indicateur de folie, tu peux devenir fou dans le jeu avec. D'accord, ok. Et quand t'es fou, ça te fait quoi? Mais si tu veux, t'as des petites abeilles, des petits lapins au début. Ouais, et alors qu'il est pas censé y en avoir. Et bon, moi je suis pas devenu fou encore, mais j'ai regardé un peu. Non mais toi tu l'es dans la vraie vie. Coucou. Et ces petits lapins, eh bien, ils se transforment. Oh putain, c'est pas la faille là-bas? Ah si, faut qu'on descende. Fuck that. Attends, il y a une araignée en dessous. Ah oui, de l'autre côté là-bas? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ouais. Attends, mais on continue le chemin là. On continue le chemin, genre on s'en fout Ouais, on s'en fout. Comme ça, on aura le chemin déjà fait. Oh, il est mignon. Et du coup, ces petits lapins, ils se transforment en monstres, Alex. Oh punaise. Même le jour ou que la nuit? Je sais pas. Et parce que j'ai vraiment pas envie de devenir fou. Déjà que, même si c'est fait en dessin animé, ça fait un peu peur vu les graphismes. Oups, non. Des Blaze. Mais non, Creeper, qu'est-ce qu'il me dit? C'est ça. Attends, ça veut dire qu'il faut que je descende, allez, tout récup là. Putain. J'ai même pas envie de ressusciter, tu sais quoi, je vais rester à côté de l'araignée et du creeper. Ah, fais chier. Oh non, Alex. Oh, je suis deg. Ah, mais je suis deg. C'est bon, j'ai récupéré les bâtons, tout va bien. Comment t'as fait? Bah, je suis descendu. T'es un fou? Et bien sûr. Oh putain, non, meurs pas. Vite débloque et je remonte. Bon, écoute, je laisse ton casque en fer, hein. Écoute, je suis désolé. Ouais. Bon, du coup, tu me disais. Et donc, les trois indicateurs, bouffe, vie et folie. Ouais. La folie que j'ai pas expérimenté encore. Mais je pense que ça serait tardé parce que, en fait, dès que la nuit arrive. En fait, tu deviens fou parce que t'entends des bruits et tout, quoi. Enfin, tu gagnes comment de la folie, en fait? Je t'explique. Il y a un cycle jour-nuit, comme je t'ai dit. Ouais. Et dès que la nuit arrive, t'as la pénombre qui s'installe. Mm-hmm. Et ton petit personnage, il te dit vite, il faut faire un feu parce que là, il fait nuit et je me chie un peu dessus. D'accord. Du coup, tu fais un feu de camp qui tient pas très longtemps, on va dire. Ouais. Du coup, tu dois remettre des bûches. À chaque fois toute la nuit. Ouais. Et dès que la nuit tombe bien, mm-hmm. t'as le petit rond de lumière du feu de camp, t'es à côté, t'es content, t'as l'indicateur de folie qui descend vu que c'est la nuit et t'entends des bruits qui disent qu'est-ce que c'est. Ouais. Et là t'as des petits yeux qui apparaissent tout autour. Oh là là. Et mais des yeux qui sont pas gentils quoi. Ouais, et toi tu fais quoi en fait? Ah mais t'es obligé de l'attendre à côté du feu de camp, hein, parce d'accord, que... et après tu le refais comment en fait? T'as tous les ustensiles sur toi? Ah oui, ça tu les as, tu craftes ton coffre, tu craftes, comment dire... Tu craftes une espèce de machine de science qui te permet de crafter encore plus de choses. Ouais. Et après le jour, tu récoltes tous les ingrédients, mm-hmm. t'essaies de retourner à ton feu de camp. Oh là là, en fait, ouais, voilà, tu rushes sur ton... Ah, c'est ça, pour ouais. Pour faire avoir le maximum de feux de camp, quoi. Mais moi, j'en fais qu'un, et après, je trace dans une direction, je me dis, bon, ok, j'y vais. Ouais. Là, je tombe sur des lignes d'araignée, je fais, bon, je fais demi-tour.
Il a eu le temps de faire demi-tour, la nuit tombe. Et là, t'attends comme un coucou. Par contre, c'est ce qui est un peu nul dans le jeu. Enfin, nul. C'est réaliste, mais bon. La nuit, tu peux faire que des crafts, en fait. D'accord. Et le jour, tu fais quoi? Ou cuire ta viande au préalable pour la bouffer le jour. Ouais. Ah, tu peux pas bouffer, genre? Si, si. Ah bah alors, c'est quoi alors qui est pas bien? Des petits buissons avec des baies, ou sinon tu craftes des... Merde, comment on appelle ça? Des cages à lapins, des cages à oiseaux pour les choper quand tu reviens, mais tu prends les lapins, tu les tues, tu prends leur viande. Ouais. Là, tu la cuis au feu de camp. Mm-hmm. Bon, après, moi, il y a une marmite à débloquer, mais j'ai pas encore débloqué. Où tu peux faire des recettes pour gagner un peu plus de vie, tout ça. Ouais. Et je suis à 200 blocs du spawn. Ok. Et ce jeu, il est vraiment hardcore parce que quand tu meurs, ouais, et ben t'es obligé de recréer un nouveau monde. Oh punaise, ouais, t'as pas le droit d'une deuxième chance quoi. Je recommence tout à zéro. Mais il y a, comment dire, il y a une progression dans le jeu quelque part. Mm-hmm. Niveau de l'XP que tu gagnes, dès que tu passes un jour, ça sauvegarde optiquement. D'accord, en fait, ouais, d'accord, ouais. Genre, tu arrives à débloquer la marmite, mais tu meurs, t'as quand même droit à la marmite. Non, ça non, t'es obligé de recrafter une marmite. Oui, de la recrafter, mais... Non, tout. T'es obligé de redébloquer la machine à science pour débloquer la marmite, tout ça. D'accord. Et vu que tu connais un peu plus le jeu, tu sais où trouver les trucs plus faciles. La map, par contre, elle est immense. T'as plein de choses. T'as par exemple, pour aller d'un endroit à un autre, au lieu de prendre les portails du Nether, on va dire. Mm-hmm. Mais là, c'est des espèces de verres. T'as les bouches qui s'ouvrent. C'est bizarre. Enfin, là, je sais pas comment dire ça. C'est un ver géant. Ouais. Comme ça. Dès que tu t'approches, il ouvre sa gueule. Ouais. Tu sors dedans et t'atterris à un autre endroit de la map. D'accord. Space, ouais. T'as des cochons qui font office de villageois dans Minecraft. Tu leur donnes de la bouffe. Ils te donnent une crotte, on va dire. Ah, ok. Ils chient, quoi. Normal. Et tu en fais quoi après? Et après, ça te sert à faire des fermes. D'accord. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et du coup, sur l'expérience que tu gagnes par jour. Ouais. Je sais pas combien ça donne l'expérience. Hein. Bref. Et bien tu peux débloquer de nouveaux personnages en fait. Tu commences avec un scientifique qui a des. Chaque personnage a ses capacités en fait. Ouais. Pour le scientifique, ils te disent qu'il a une barbe magique. Mm-hmm. Tous les jours, tu as sa barbe qui pousse, tu dois la couper avec un rasoir. Et ça peut t'aider à crafter je sais pas quoi. Parce que je suis vraiment au début du jeu. Et... Pour l'instant, tu n'en sais pas plus. C'est ça. Et j'ai pu débloquer une petite fille qui fait bien peur. Mm-hmm. C'est un peu. Elle me fait penser un peu à Annie dans League of Legends. D'accord, classe. Elle s'appelle comment? Bon, le jeu est en anglais, hein, pardon. Mais bon, c'est facilement compréhensible. Avec les images, tout ça. Et elle s'appelle comment, cette petite fille? C'est Starfire, ou un truc comme ça. C'est. L'allumeuse un peu en français, je crois. Et elle a un objet de départ, c'est une petite chandelle. Mm-hmm. Qui permet de survivre un peu la nuit, ou elle est du moins à la pénombre. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a encore comme habileté? Mais oui, t'as la folie qui monte pas trop pour elle. Elle augmente dès que tu t'approches d'un feu de camp. Ah d'accord. Du coup, je suis presque sûr de ne pas devenir fou. D'accord, ouais. En fait, elle kiffe tellement le feu que ça la rend folle. Non, que ça la rend pas folle. Ah, d'accord. Ah, j'ai compris que ça la rendait folle, le feu. Et ce qui est bien, c'est que... Bon, après, le jeu, il est un peu... Comment dire? C'est carré, c'est un peu Minecraft, on va dire. C'est en 2D, hein, mais... j'ai vu. Tu vois que c'est un jeu indépendant, un peu. Ouais. Sur l'inspiration de map. Et même, par contre, c'est bien fourni dedans.
T'as beaucoup de monstres. J'ai vu un cheval mécanique, j'ai rien compris, il m'a sauté dessus. Un truc genre la guerre des mondes, tu sais, avec Tom Cruise. Ouais. Espèce de truc à longue patte, avec un œil. Ah oui, d'accord. Exactement ça. En plus, le truc, c'est un bec, ça me picorait. Vous prenez pour une graine, le truc. T'as les petites araignées, t'as tout ça. Et je suis tombé sur ma deuxième partie, j'avais fait trois parties. Hein. Ouais. Ma deuxième partie, je suis tombé sur une cave. Ouais, et donc Tu t'imagineras que je suis mort dedans. Oui, ouais, j'imagine. Des chauves-souris en pagaille. Et après, t'as beaucoup de trucs à crafter, quoi. J'ai pas fait le tour encore. Tu m'étonnes. Oh, Kitor! Ah non, pas lui! Oui! Ah là 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 là, enfin! Liberté! Et en plus, l'épisode touche à sa fin dans deux minutes. Voilà! Et hop, sous le F! Oh, nickel! Ben voilà, c'était un épisode. Bon, du coup, ton temps blabla, je verrai si je le laisse, je pense. Hein, ça fait découvrir le jeu. Sinon, je ferai une avance rapide avec musique. Ok. Et du coup, on a du Blaze. Donc là, pas au prochain épisode, mais prochainement, on fera de l'alchimie. On fera le souterrain, enfin, un petit souterrain pour représenter le labo de science du docteur Moite-Moi d'Unité Fox. Eh oui, il en faut un. Et puis, bah, sur ce, Titatou, pardon, Okidor, je te dis à bientôt. Au revoir. Allez, salut.